Bonjour à tous, bienvenue dans votre Security Book. Aujourd'hui, on va parler gestion de crise avec ce livre Surmonter des crises. C'est aux éditions Duno et c'est son auteur, bien évidemment, qui est sur notre plateau, Raphaël de Vitoris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau d'Anews Security. Vous êtes titulaire d'une thèse en sciences des organisations avec spécialisation en gestion de crise. Vous enseignez également la gestion de crise et des risques dans divers masters et vous êtes en charge de la gestion de crise. Toujours pour le groupe Michelin, et ce depuis plus de 7 ans. Tout à fait. Vous avez d'ailleurs, entre autres, élaboré et implanté le système de gestion de crise au sein de l'entreprise, et vous avez été à la tête de la cellule de crise du groupe durant la crise du Covid-19. En partie, oui. Autant dire que vous êtes un pneu 4 saisons, c'est gonflé de ma part, je le sais. Alors le postulat de départ de ce livre, c'est de dire que, bien évidemment, aujourd'hui, on le sait, la crise est partout, elle est économique, elle est sociale, terroriste, géopolitique, que quelque part la crise est inévitable. Toute entreprise, un jour ou l'autre, devra affronter une crise, mais qu'on peut s'y préparer au mieux pour justement essayer d'atténuer ses effets. Par contre, il y a des écueils à éviter, avec pas mal d'idées reçues. C'est d'ailleurs le sous-titre de ce livre, Idées reçues et vraies pistes pour les entreprises, c'est ça ? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est d'essayer de... On part tous avec des idées préconçues sur la gestion de crise. Il faut essayer de slalomer pour savoir quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises, quelles sont celles qui peuvent avoir des effets aussi pas si positifs que ça. Oui, en fait, c'est né d'un constat. Du fait de ma double fonction de chercheur et de praticien, c'est de constater que des éléments qui étaient considérés comme des valeurs sûres ou des basiques, des fondamentaux, sont exploités ou sont développés de manière à ce que ça puisse devenir contre-productif à la lumière de la complexité des crises modernes. Et donc, ce livre, c'est une interrogation sur ces idées reçues, ce que j'appelle des idées reçues, peut-être à tort, une interrogation ouverte, une question, un questionnement qui amène à se dire, est-ce que ça marche tout le temps ? Et sinon, est-ce qu'on pourrait pas pondérer ces idées reçues ou les travailler de manière à ce qu'elles deviennent peut-être moins dogmatiques et plus contribuer à la flexibilité qui est à rechercher par les entreprises, enfin en lors de crise, quoi. Alors avant de développer, enfin d'en reparler, on ne va pas développer de fond en comble, sinon il n'y aura plus l'intérêt d'acheter ce livre, qui vaut quand même le détour, bien évidemment. Je voulais vous demander, les crises, ça a toujours plus ou moins existé de tout temps, mais est-ce que depuis 20 ou 30 ans, il y en a davantage, elles s'amplifient ? On peut le dire ça ? Je pense qu'on est en mesure de le dire. Donc vous avez tout à fait raison, les crises ont toujours existé, j'en fais mention dans l'introduction. On a Pline qui décrit l'éruption du Vésuve, on a des écrits qui nous racontent l'incendie de Londres, on a des crises qui ont été très, très détaillées, et les crises ont parsemé la culture humaine et la culture des sociétés. Toutefois, il y a un paramètre qui modifie un peu la donne. Il a déjà été décrit en 1984 par un auteur à qui je rends hommage à de multiples reprises dans l'ouvrage, qui s'appelle Charles Perrault, qui est un homonyme du conteur qu'on connaît bien, mais qui est un chercheur, et qui avait écrit un livre fantastique qui s'appelait « La théorie des accidents normaux » en 1984, dans lequel il explique un phénomène qu'on constate aujourd'hui. Qu'un double phénomène fait que les crises maintenant sont non seulement... vont irrémédiablement devenir plus fréquente avec une magnitude plus conséquente. Le premier point, c'est que les systèmes deviennent de plus en plus complexes. C'est-à-dire qu'un système complexe est un système dont les composantes évoluent de manière autonome et elles évoluent en interagissant entre elles. Et en fait, nos systèmes se complexifiant, notamment les systèmes industriels, il y a toujours de plus en plus de sous-éléments qui sont alimentés par des sous-éléments et des processus, ce qui amène à une augmentation statistique de la défaillance. Bien sûr. Mais couplé à ça, vous avez le fait du couplage étroit des systèmes entre eux. Ce qui fait que la défaillance, qui est déjà statistiquement plus fréquente avec l'élément que je viens de vous dire, crée un effet boule de neige du fait du couplage systématique de toutes les activités. Ouais, d'accord. Et donc on a des crises où le niveau d'immédiateté, de magnitude et d'effet boule de neige est démultiplié.
Et un de ces phénomènes, c'est la numérisation, par exemple. Bien sûr, j'allais vous en parler. Ça, c'est effectivement un démultiplicateur. Ah, tout à fait. Ce qui fait que maintenant, vous avez un problème de logiciel. Le problème de logiciel d'un de vos fournisseurs peut paralyser un de vos clients. Et par effet rebond, avec vous au milieu. Et donc, la digitalisation et la modernisation et la complexification des systèmes font que vous avez raison dans la manière dont vous l'avez évoqué. On peut s'attendre à des crises plus fréquentes et plus méchantes. Alors, parlons de ces idées reçues et de ces vraies pistes pour les entreprises. Vous développez 5 idées reçues. Je les cite. Les signaux faibles sont détectables avant. Un leader chef de guerre est essentiel. La temporalité des crises suite à un schéma directeur. La planification est l'élément pivot de la réaction face à la crise. Et enfin, le rétexte est gage de progrès. Je vous propose qu'on parle un petit peu de chacune de ces idées reçues, tout en laissant un petit peu de grains pour nos auditeurs qui vont devenir lecteurs de votre livre. Première idée reçue, les signaux faibles sont détectables avant. Vous parlez entre autres de la veille développée par un nombre d'entreprises depuis un certain nombre d'années justement pour essayer de repérer ces signaux faibles mais qui finalement n'a peut-être jamais vraiment permis d'éviter une crise. Tout à fait. J'attaque le concept de signal faible mais pas celui de signal. Et là est toute la nuance. L'idée, le constat qui est le mien, c'est de dire qu'on a tous été sidérés par le 11 septembre, qui nous a tous pris de court, et quelques mois après, on entend pas mal d'experts nous dire bah, c'était prévisible parce que, et à grand renfort d'arguments très sérieux. La chute de Lehman Brothers pendant la crise des subprimes a bouleversé le monde financier, c'était totalement impensable. Et quelques mois après, on commence à voir circuler des articles qui disaient « si on analysait bien les rapports financiers, c'était évident ». Et j'ai appelé ça dans mon ouvrage « le syndrome de l'historien ». C'est de dire, par exemple, à la lumière de 2021, qu'il était évident que l'Allemagne allait envahir la Pologne. Et en fait, il y a beaucoup de signaux faibles qui sont détectés après coup et qui éclairent l'événement. Mais tous ces gens qui l'ont découvert, que faisaient-ils la veille de ces événements ? Et l'idée pour moi, c'est de dire, attention, ça ne veut pas dire que les signaux faibles sont inutiles, mais ce qu'on appelle aujourd'hui signal faible, à l'ère du data, c'est pas une coïncidence si ce vœu pieux de la numérisation et de l'analyse presque algorithmique des signes peuvent nous prédire l'avenir, c'est pas un hasard si ça arrive maintenant où l'ère du data bat son plein. C'est une chimère, une course à l'échalote qui amène les entreprises qui ont peu de ressources à déléguer ça ou à sous-traiter pour des monitorings parfois qui sont très chers et parfois peu rentables, et que peut-être faut-il se focaliser sur des signaux forts. C'est ce que j'allais vous dire, vous conseillez plutôt de vous focaliser là-dessus. Hein. Tout à fait. Et ce qui amène, en fait, j'amène 3 questions, c'est que si un signal faible n'évite pas une crise, à quoi sert-il ? Deuxième question, qui dit que le signal est faible, puisque c'est un jugement de valeur, mais... très personnel. Il est faible pour qui ? Et troisièmement, si vraiment il s'avère que le signal est faible, a-t-on déjà traité les signaux forts ? Et en fait, ça a l'air bête comme chou, mais ça change radicalement la perspective de l'anticipation et de la préparation des organisations de crise. Bien sûr. Alors la deuxième idée reçue, c'est un leader chef de guerre est essentiel. Pour vous, en fait, gérer une crise et gérer une guerre, ça n'a rien à voir. Donc le profil du manager chef de guerre finalement n'est pas le plus adapté. Est-ce que finalement n'avoir qu'un leader est une bonne solution ? Ben, c'est justement l'idée que vous avez évoquée, je la challenge et j'en arrive à cette même question, j'essaye d'y répondre. C'est que d'une part, moi je fais le constat que quand on lit la littérature liée à la gestion de crise et qu'on regarde les organisations, on voit qu'il y a une grande... Alors, je vais parler des organisations françaises, par exemple. Il y a une grande influence de l'image gaullienne. On imagine en chef de guerre une espèce de Charles de Gaulle. On imagine une incarnation du leader. Il faut qu'il soit incarné avec une fonctionnalité top-down. Donc, on a cette image-là, dans l'inconscient collectif, aussi alimentée par des imageries hollywoodiennes, parce qu'il y a quand même cette influence-là. Quand je pose des questions... Par exemple, vous avez tous les films catastrophes comme Airport. Ouais. Quand j'étais gamin, je me rappelle avoir vu le film. Et vous avez dans la salle de contrôle un leader charismatique qui essaie de tout gérer, qui anticipe, qui fait tout. Et ça a animé un inconscient collectif qui est lié à tout ce qui est
du management en temps de paix à créer cette icône du leader en gestion de crise qui est le guide. Et en fait, moi, je mets en garde parce que lorsqu'on lit la littérature ou qu'on observe, comme je l'ai observé aussi, on a des leaders qui deviennent, qui incarnent la fonction, donc ils ont tous les pouvoirs de manière top-down, et on confie les clés de la boutique à des gens qui sont soumis, à des personnes qui sont soumises à leur biais cognitif, à leur conflit d'intérêts, à leur tempérament, et à leur propre expérience. Et je trouve ça dangereux, ça peut expliquer certains mauvais choix, et peut-être que des pistes seraient de désincarner et de trouver des pistes organisationnelles qui nous permettraient non pas d'éviter les biais cognitifs, on ne pourra pas y arriver par définition, mais au moins d'en limiter l'influence par peut-être une pluralité d'acteurs qui... Mais quelque part, il vaut mieux une équipe fédérée qu'une individualité, c'est ça ? Dans certains cas, oui. Ouais. Mais vous donnez l'exemple qui est très intéressant, cette comparaison avec le chef d'orchestre, tout à fait, que j'ai bien aimé, qui quelque part est dos au public, donc contrairement à ces images dont vous parliez il y a quelques instants, du tout puissant, tout présent, etc., c'est quelqu'un qui va donner le tempo, mais qui va mettre chacun en valeur au bon moment, et qui est dos au public, donc qui n'affronte pas tout seul. Quoi. Tout à fait. Donc c'est plutôt l'image qu'il faut retenir. Alors, c'est vraiment l'image que j'essaie de véhiculer lorsque je parle avec les organisations qui m'interrogent sur le sujet, c'est de dire que je reprends ce que vous avez dit, le leader, il est dos au public, il n'est pas là pour se montrer. Le chef d'orchestre est dos au public, il n'est pas là pour se montrer. C'est le seul qui ne fait pas de bruit. Dans tout l'orchestre, c'est le seul qui ne fait pas de bruit. Et en fait, si on regarde bien les musiciens, ils n'ont pas systématiquement les yeux posés sur lui. Ce sont tous des pros. Lui, il est seulement là pour mettre en musique. Et parfois, il choisit s'il met de l'alto, du mezzo, en fonction de sa sensibilité. Et parfois, il autorise des solos. C'est ça. Et donc, je pense que cette humilité intrinsèque à la fonction est quelque chose qui est important de cultiver dans des organisations où, en fait, on risque parfois de voir le leader comme un sauveur. On est d'accord. Alors, il y a aussi cette troisième idée reçue, qui est la temporalité des crises qui suit un schéma directeur, avec des experts qui proposent un phasage des crises en 7 étapes. On le retrouve régulièrement ? Oui, très régulièrement. Alors, parfois c'est 5 étapes, parfois c'est 6, parfois c'est 7, mais on retrouve toujours quelque chose qui est représenté avec quelque chose qui a vaguement la forme d'une gaussienne un peu monstrueuse, où en fait vous avez d'abord des signaux faibles, puis après la crise arrive, puis après vous avez une montée en puissance, parfois on voit même écrit accélération des événements, et puis après vous avez un pic, et puis après là où on commence à reprendre la main sur la crise, après une redescente et puis parfois un effet rebond. Et en fait j'ai moi-même longtemps été influencé par ce schéma, ouais, bien sûr, qui m'amenait à proposer des planifications ou des structurations de réponse à la crise en fonction, jusqu'à 2017 quand NotPetya et WannaCry qui étaient deux cyberattaques mondiales ont littéralement de manière holistique et immédiate mis des multinationales, voire même des gouvernements en mode crise en quelques secondes. C'est-à-dire que plus rien ne marchait totalement et immédiatement en un battement de paupières. Donc moi, en bon scientifique, lorsqu'un modèle ne marche pas pour des cas très significatifs et majeurs, je le prends moins en considération. Ce que je propose, moi, c'est de se dire peut-être que ce passage n'est pas une description des événements, mais une description de l'interprétation des événements. Et que c'est là où, en fait, on voit qu'il n'y a pas d'accélération des événements comme le phasage le propose, mais il y a peut-être une incapacité à les interpréter. Vous faites effectivement le constat que c'est l'interprétation des événements qui dessine la dynamique des crises et que l'environnement d'équilibre d'origine a beaucoup de chances de ne pas être retrouvé par les organisations. Tout à fait. Et donc, ce qui amène à un travail différent, celui de travailler sur la capacité d'interprétation collective, donc c'est déjà un travail, un nouveau champ qui s'ouvre, et deuxièmement ça attaque l'idée aussi de résilience elle-même, où en fait dans le concept de résilience on part d'une normalité, on affronte une turbulence, on revient à une normalité, et ça même est challengé en filigrane dans le livre en se disant mais qui a dit que la normalité était la norme ? Bien sûr. Est-ce que ce ne serait pas la turbulence la norme aujourd'hui, ouais, et qu'on aurait parfois des îlots de stabilité ? Et si c'est ça, le concept lui-même de résilience
mérite de laisser le pas à d'autres concepts comme l'antifragilité. Mais là, je vais déjà un peu loin. Alors la quatrième et avant-dernière idée reçue, c'est la planification qui est l'élément pivot de la réaction face à la crise. Est-ce que finalement la planification est rassurante ? Alors oui, elle est rassurante parce qu'on se dit on a quelque chose. C'est ça. Après, elle est souvent efficace lorsqu'on a des choses très minutieuses à faire. Mais elle comporte des risques. Et je vais juste dire dans quoi elle est efficace, parce qu'il faut rendre à César, dans chaque chapitre du livre, je rends grâce à l'idée reçue pour ce qu'elle apporte de bien, et je la challenge. Et ici, c'est par exemple, lorsque vous devez gérer une centrale nucléaire, les protocoles pour arrêter les réacteurs et des choses comme ça, vous ne pouvez pas les improviser. Et lorsqu'une crise arrivera, il faudra respecter à la lettre. Donc ça, c'est important d'avoir des routines et de le savoir. Mais hormis ça, il est contre-productif de tout détailler à l'avance et d'essayer d'être ultra minutieux et d'être complet. Et en fait, ma proposition, enfin, un des éléments qui est constaté, c'est que ça crée un biais, ce qui s'appelle le biais de présomption. C'est quand vous avez tellement confiance dans le plan que vous devenez aveugle à tout ce qui est extérieur à l'événement, l'événement suggéré. On a des œillères imaginé. Quelque part. On a des œillères. On suit l'oreille. Exactement. Et là où un néophyte verrait le point qui permettrait d'interpréter en disant attention, là, ça se passe pas comme d'habitude, l'expert routinier. Donc, c'est-à-dire l'expert mu par enrichi d'une multiplication de routines et d'exercices, va automatiser sa réaction. Et là, ça devient dangereux. Et donc, moi, je prêche plutôt pour des lignes guides qui permettent de démarrer pour aider. Et de s'adapter. Et après, on s'adapte. D'autant plus que se préparer en temps de paix, ça réduit la compréhension de la crise en temps de guerre. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un schéma qui ne soit pas trop rigide, mais avec effectivement des lignes directrices, et après on s'adapte en fonction. Tout à fait. Cinquième et dernière idée reçue, le rétex, le retour d'expérience, est gage de progrès. Après tant d'années de rétex, les crises sont finalement toujours aussi mal maîtrisées. Donc quel est l'intérêt du rétex ? Alors moi je pense qu'il est d'abord de rassurer. Alors je sais que c'est un blasphème de dire quelque chose comme ça, parce que pour les puristes de la crise, le rétex... Ils vont monter au rideau. Comment ? Ils vont monter au rideau quand ils vont... Tout à fait, ils vont attaquer l'écran. Le rétex, c'est l'output ultime qu'on attend de la crise. Moi, le fait d'apprendre et d'avoir de la connaissance, je trouve que c'est utile et nécessaire. Je ne critique pas le fait d'essayer de capitaliser. Je critique la méthodologie que je vois la plupart du temps. Mmh. Et dans la plupart des organisations, ce qu'on voit, c'est une réunion. Et donc on a des gens qui viennent autour de la table et qui viennent essayer de regarder ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et de là arriver au sacro-saint plan d'action. Mon problème est là. Mon problème est de dire qui est légitime pour être autour de la table, qui choisit qui est autour de la table. La deuxième question, c'est qui parle en premier, biais d'ancrage. Il va influencer les autres. Oui, on est d'accord. Après, est-ce qu'on a tous une perception du réel assez fine, ou est-ce qu'on va se raconter les événements de manière à ce qu'il y ait une articulation qui nous paraît cohérente à tous, ce qui est en fait la définition même du biais de narration. Est-ce qu'en plus, outre les côtés cognitifs, les biais cognitifs qu'on ne maîtrise pas, il y a les conflits d'intérêts ? Peut-être que certaines personnes autour de la table, en temps de paix, ne s'entendent pas avec d'autres et vont en profiter pour défendre leur point de vue. Et tout ça est supposé être parfait, amener à, d'une part, un plan d'action qui va amener probablement à revoir la planification de crise, peut-être proposer des nouveaux signaux faibles pour la crise prochaine qui serait similaire dans un monde parfait, et en fait va amener à des dirigeants à être rassurés en se disant on a fait le boulot. Donc moi, mon propos dans cet ouvrage, c'est de dire quand vous avez des gens qui font un narratif en guise de retour d'expérience dans de l'entre-soi, méfions-nous sur la méthodologie de capitalisation qu'on a choisie. Très rapidement, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner deux exemples dans l'histoire récente, celui d'une crise bien gérée et celui d'une autre mal abordée et maltraitée ? Eh ben moi, j'aurais tendance à dire la crise Covid de Taïwan. D'accord. Qui était ? Alors jusqu'à, je crois, du mois de mai de cette année. Ils avaient fait toute l'année 2020 et le début 21 jusqu'au mois de mai avec 12 morts. Ouais. La manière dont ils ont tracé, testé, c'est un cas d'école. D'une crise bien gérée. D'une crise bien gérée, sachant que la population de Taïwan
Elle est gigantesque pour un tout petit territoire, ouais, et c'est hyper dense, ouais. Et que théoriquement, il y a 500 000 Chinois par mois qui passent la frontière. En plus, alors, avec transmettre le truc, c'est... Donc, ils étaient aux premières loges. Ouais. Et donc, je pense qu'en termes de crise bien gérée, c'est un véritable cas d'école, ouais. Pour s'inspirer. Alors, bien évidemment, les contextes sont toujours, rendent toujours difficile le copier-coller, et tant mieux. Ouais. Il n'empêche, je pense que il mérite qu'on s'étende là-dessus, sur des crises qui ont été plus problématiques. Peut-être une piste, parce que on parle des crises sanitaires, on parle des crises économiques, industrielles. Bien évidemment, il existe des crises pour les personnalités, pour les people. Mmh. On le voit régulièrement, l'affaire DSK, l'affaire Nicolas Hulot en ce moment. Bref, on en passe et des meilleurs. Est-ce qu'on peut adapter ça justement à une personne? Comment gérer les médias, comment gérer les rumeurs, comment gérer tout ce qui impacte une personnalité. Moi, j'aurais tendance à dire, si je reprends, oui, parce qu'il va falloir qu'on capitalise sur. Je vais revenir en rétro-planning par rapport aux idées reçues. Il faut apprendre des coups qu'on a pris pour le coup suivant. Et lorsqu'on est une personnalité publique qui s'exprime souvent, on peut faire des impairs et prêter le flanc à des attaques ou des choses comme ça. Donc, capitaliser, c'est important, mais bien le faire, c'est encore mieux. Après, sur ce qui est de la planification, avoir quelques lignes guides, quelques fondamentaux pour pouvoir improviser, mais d'une manière canalisée, c'est très, très, très important selon moi. Plutôt que d'aller à brûle-pourpoint, par exemple, devant les caméras, en faisant plutôt parler l'émotion que le rationnel. Le leader, je pense qu'il est intéressant aussi de changer son imagerie mentale de la personne qui gère la crise, et que ça vaut le coup de se dire, si on est le leader de sa propre crise, quel leader je veux être ? Et sortir de cette vision soit gaullienne de quelqu'un qui maîtrise le verbe, qui maîtrise l'attitude, qui maîtrise la profondeur et de sortir cette imagerie et de se dire non, il faut que je garde mon authenticité mais intelligemment. Donc je pense que ça c'est important. Les signaux faibles, moi j'aurais tendance à dire un peu comme dans le livre, méfiez-vous, c'est pas parce qu'un événement a conduit à une crise ou n'a pas conduit à une crise que ça se passera de la même manière. Comme on ne se baigne jamais dans la même eau du même fleuve, on ne vit jamais exactement le même événement. Ouais. Donc méfions-nous de ce qu'on appelle les signaux faibles. Et enfin, j'avais parlé de la cinétique. Pareil, la cinétique des crises qu'une personnalité pourrait subir sera totalement différente. Pour des affaires totalement similaires, vous avez des attaques en justice immédiate, et puis vous avez des choses qui sont plus dans la durée, voire des gens sont pardonnés, adoubés. Je pense que surtout dans l'ère du média d'aujourd'hui, on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer. Exact. Comme on le dit souvent maintenant, tout a l'air de s'accélérer, ouais. Mais les dossiers ressortent. Donc je pense qu'il n'y a pas de schéma directeur sur lequel il faut croire mordicus. Et ça pourra aussi intéresser nos chefs d'entreprise qui pour certains sont des personnalités plus que publiques. Merci beaucoup Raphaël de Vittori, ça sera votre prochain livre de chevet, hein, Surmonter les crises. Ça vous permettra peut-être de dormir un peu mieux si vous êtes au niveau des entreprises, directeur sécurité, sûreté ou autre, et qui pouvez justement avoir un jour à affronter ces crises. Merci, c'est aux éditions Duno, ça vaut 15,90 € en version papier, mais vous pouvez l'avoir aussi en version e-book ou autre, et ça vaut 9,99 €. Voilà, merci à la Dream Team Agora pour la préparation de cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau Security Book. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.